J'ai toujours l'assurance que tu es mon Dieu. C'est pour cela qu'on va l'adorer. On va les célébrer. Après cette chanson, bien-aimée, je veux que nous chantons ensemble à l'église. Nous tous, on va élever la voix, on va chanter cette chanson. Après avoir chanté cette chanson, bien-aimée, on va adorer Dieu. On va adorer Dieu. Parce que c'est une chanson que nous connaissons nous tous. On va chanter digne, digne. Yannick va nous attonner digne, digne. Et on va chanter nous tous, les bien-aimés. Je veux que nous tous, les bien-aimés, chantent. Chante, bien-aimé, d'attirer la gloire de Dieu dans ses liens. Après cela, on va élever le nom de l'Éternel. Alléluia. Digne, digne, le ciel dit que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Yeah.
Tu ne changeras jamais. Oh, je
t'adore. Je t'adore de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon âme. Je t'adore de tout mon esprit. Je t'adore de toute ma vie. Je t'adore parce que tu es Dieu. Dans ce lieu, c'est toi qui es Dieu. Dans ce moment, c'est toi qui règne. Oh Jésus, reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Yahweh, quand on est en train de monter mon activité, quand on est en train de la présidence, quand on est en train Yahweh, généralité, quand on est en train de Zambé la pomoy, Zambé la pomoy, le Dieu tout-puissant, Seigneur, je t'adore. Yahweh, mon âme, t'adore. Je t'adore, Jésus. De tout mon cœur, je t'adore, Seigneur. Yahweh, pour toutes ces choses que toi tu fais dans nos vies. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Il n'est que l'adoration de mon cœur, Jésus. Il n'est que l'adoration de mon cœur, Seigneur. Je t'adore, Jésus, parce que tu es bon. Elohim, tu es bon. Ta fidélité, Jésus, règne jamais. À l'éternité, Jésus, tu es fidèle. Laisse-moi adorer le Dieu fidèle. Laisse-moi adorer le Dieu fidèle. De tout mon cœur, je t'adore. De tout mon âme, je t'adore. Et comme enchaîné. Comment ne pas te lever, Jésus? Alléluia. De bienfaits sont trop grands. Oh Jésus. Du fond de mon âme, pour de la. Alléluia. Et ta vie, mais sinon. Je vais rester dans ta présence pour t'adorer, Jésus. Garde-moi.
ton Dieu bien-aimé. Laisse que bien-aimé ta vie soit une parfaite de bonne odeur devant ton Dieu. Laisse que ton adoration de cet après-midi soit une parfaite de bonne odeur devant ton Dieu. Oh, adore encore ton Dieu bien-aimé. Il mérite l'adoration. Il mérite l'adoration, bien-aimé, cet après-midi. Oh, adore ton Dieu, bien-aimé. Oh, la Bible nous dit, David a dit, même si je marche dans les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains rien parce que tu es avec moi. Même s'il y a des problèmes, je dois t'adorer. Même si je marche dans les vallées, je dois t'adorer. Même si je ne sens pas bien, je dois t'adorer. Même si pendant que, bien-aimé, il y a des choses qui passent dans le monde, mais je dois adorer Dieu, car il mérite l'adoration, l'adoration des saints. Il nous dit, bien-aimé, de entrer dans ce parvis avec l'adoration, avec les louanges. Il mérite l'adoration. Oh, ne reste pas indifférent devant ton Dieu, mais élève la voix, adore-le, adore-le, bien-aimé. Il mérite l'adoration. Alléluia, alléluia. Seigneur, je t'adore. Oh, yes, Seigneur, reçois l'adoration, reçois l'adoration, reçois l'adoration de ton peuple. Seigneur, laisse que notre adoration de cet après-midi soit une parfaite de bonne odeur devant toi. Laisse que notre adoration de prénoms chacun reçoit nos adorations, Jésus. Reçois l'adoration de ton peuple, Yahweh. Reçois l'adoration de ton église, Yahweh. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Yahweh, c'est toi, Seigneur, qui mérite l'adoration. Tu es su dans les liens élevés. Seigneur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration de nos cœurs. Reçois l'adoration de nos vies. Reçois l'adoration, Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi, Adonai. Dans les cieux, sous la terre, sur la terre. Il n'y a que toi, Jésus, qui est Dieu. Il n'y a que toi qui mérites l'adoration. Seigneur, laisse-moi t'adorer parce qu'il n'y a pas un autre Dieu comme toi, Jésus. Depuis que je nais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu un juste abandonné. Parce que c'est toi, Seigneur, qui prends soin de nous chaque jour, Seigneur, de nos vies. C'est pour cela, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons parce que tu es Emmanuel. Seigneur, si les gens de ce monde adorent des femmes, adorent les choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. À combien plus fort, moi, je suis ton enfant. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Parce que je sais que, Seigneur, c'est toi et toi seul qui mérite d'être adoré. Je t'adore de tout mon cœur, Seigneur. Tu ne partages jamais ta gloire avec une personne. Et cet après-midi, ton église sont là pour t'adorer, Jésus, pour te célébrer. Parce que nous reconnaissons Jésus, tu es Dieu. C'est toi qui nous as fait. Nous sommes ton peuple. Nous sommes ton patriarche, Jésus. Nous sommes dans la bergerie. Tu es là, Jésus. Tu es mon berger, Seigneur. Tu nous montres les chemins, Seigneur. Tu nous montres la porte d'entrée, Seigneur. Seigneur, quand nous entrons dans la bergerie, papa, nous avons l'assurance parce que nous avons un Dieu. C'est pour cela, Seigneur, nous t'adorons. C'est pour cela, Seigneur, nous te célébrons. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons que cet après-midi, tu es Dieu. Tu mérites, Seigneur, l'adoration, Jésus. Nous te rendons, Seigneur, une équipe d'adoration cet après-midi. Yahweh, reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de ton église, Yahweh. Et pour toutes les choses, Seigneur, que tu es en train de faire dans ton église, Seigneur, tu mérites.
mérites d'être adoré. Tu mérites d'être adoré, Seigneur. Combien de gens, Seigneur, sont morts? Combien de gens, Seigneur, sont à terre? Combien de gens, Seigneur, sont dans le monde? Mais Seigneur, tu nous as épargnés. Tu nous as montré dans cette église que tu es Dieu. Tu nous as montré ta fidélité, Jésus. Même pendant qu'on avait dans les problèmes, Seigneur, tu étais là pour nous soutenir. Et comment ne pas t'adorer, Seigneur? Tu es notre assurance. Tu es notre assurance. Alléluia. Reçois l'adoration cet après-midi. Receive the glory. Reçois l'adoration, Seigneur. Ton peuple t'adore. Tes enfants t'adorent, Jésus. Papa, on ne peut pas rester différent, Seigneur, devant ta présence. Alléluia. Dans ta présence, Jésus, tu nous fais du bien, Yahweh. Yeah, Jésus, reçois l'adoration. Receive our worship. Reçois notre adoration de cet après-midi. Receive our worship. Jésus, yes. Nous sommes en ensemble, nous sommes ensemble, Seigneur, ma belle et belle avant. Mais toi, notre Dieu, notre Papa, Seigneur, les jours-là, les troisième jour, tu es bien ressuscité. Je dirai tout haut, tout haut. Ah, tu es prié pour moi. Tu es plus haut, Seigneur. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai ta gloire. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut.
toi qui nous as fait, Seigneur. Nous sommes ton peuple. C'est pour cela que nous t'acclamons. Nous t'acclamons encore. Parce que tu mérites des acclamations. Oh yes, Seigneur. Seigneur, reçois des acclamations des saints. Reçois des acclamations de ton Église. Parce que nous reconnaissons Jésus, tu es Dieu. Tu es notre Dieu. La fidélité de Jésus. Alléluia. Règne à l'éternité, à l'éternité. Nous sommes tes enfants, Seigneur, nous sommes ton peuple. Nous sommes là pour t'acclamer. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là, Seigneur, pour que Seigneur nous disons que tu es Dieu. Oh Jésus, nous entrons dans ton paradis avec des cris de joie. Parce que Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es merveilleux. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus, que les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Éternel est bon? Alléluia. Est-ce que l'Éternel est bon dans ta vie, bien-aimé? Si l'Éternel est bon dans ta vie, si l'Éternel te fait du bien, acclame encore une fois l'Éternel, Dieu t'acclamer. Oh Dieu, Emmanuel, acclame encore les rois des gloires. Alléluia. Alléluia, la bonté de l'Éternel dans nos vies. Ça renouvelle chaque matin. Oh, tu vas seulement dire bonjour à celui qui est à toi. Dis-moi, hein, tu vas dire seulement bonjour. Bonjour à celui qui est à côté de toi. Pendant qu'on va un peu chanter, danser pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Papa Patrick, tu vas nous donner. Chantez. C'est ici. Oh yes, bien-aimé, est-ce qu'on peut asseoir seulement pendant quelques minutes? Sorry, pasteur. Sorry, pasteur Olivier, pour cet retard, mais on va écouter un témoignage. Notre maman y veut témoigner la grandeur de l'Éternel dans sa vie. Pendant que maman y va parler, bien-aimé, wow, pour glorifier le nom de l'Éternel, est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour encourager maman y? Qui veut témoigner encore? Oh yes, maman y vient ici. Amen, amen. Alléluia. L'Éternel est bon. God is good. Je sais que je ne parle pas beaucoup au micro, mais I don't talk much on the microphone. Je vais chanter. I'm going to sing. Pour la gloire de l'Éternel. For the glory of the Lord. Je suis venu témoigner la grandeur de l'Éternel. I've come to testify the greatness of God in my family. Il est bon, c'est Dieu. He is really good. He's really good. Les dieux de Pasteur David. The God of Pastor David. Les dieux de Pasteur Olivier. The God of Pastor Olivier. Et il est le dieu de confinement. Moi, je l'appelle le dieu de confinement. And he's a God of, parce que même dans le confinement, il est en train d'agir. Even in lockdown, he's il est en train d'opérer. He's acting, he's operating. Il est bon, c'est Dieu. He's good, he's il est fidèle. He's faithful. L'Éternel se manifeste encore dans ma famille. God manifests himself in my family. Il a béni ma petite sœur avec un bon bébé. He blessed my little sister with a baby. Je suis dans la joie. Baby, I'm dans l'émotion. I'm full of emotion. Je ne sais quoi dire à ce Dieu. To say to this God. Il est merveilleux. He is marvelous. Il est bon. He is good. Et maman Carole connaît un peu cette histoire. Mama Carole knows this story. J'avais dit que je vais la surprendre. I told I was going to surprise her. Par ce témoignage. By this testimony. Je crois qu'elle a déjà compris. And I think she's understood already. Et que l'Éternel la bénisse. May God bless her. Dieu est bon. God is good. Et que l'Éternel bénisse aussi l'équipe d'intercession. May the Lord bless the qui nous ont beaucoup aidés. Who have helped us pendant ces confinements. Through this lockdown. Ils nous ont beaucoup aidés. They've de demeurer dans la présence du Seigneur. To remain in the presence of the Lord. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de l'intercession. May je ne parle pas beaucoup, vous pouvez me comprendre. Je bénis ces dieux. I bless his God. Il est merveilleux. He is marvelous. La maman et l'enfant se portent très bien. Mother and nous sommes vraiment pour la joie. Baby, are we good? Il est merveilleux, ces dieux. Il a encore ajouté une année dans ma vie. He's also added il est merveilleux, in my life. I'm going to pray. Amen, amen. Amen. Donc si je commence ici, bon, anyway, je vais chanter. If I start here, I probably won't finish, but je vais chanter. Je suis dans la joie, dans l'émotion, comprenez-moi. I'm full of emotion. Je vais chanter un tout petit peu seulement. I'm going to sing a little pour bénir ces dieux. Just to bless il est God. Bon, c'est Dieu. He is good, he's God. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, le
L'Éternel est bon, il est bon pour moi. Oh, yeah.
Merci, patient. Pour. Thank you, patient. Merci beaucoup pour la louange. Thank you for the praise. Merci, Isaac. Thank you, Isaac. It's been a long time. It's been a long time. Une année, hein? A whole year. Alléluia. Amen. Je suis
très content de voir les jeunes là-bas. Avec I'm happy to see the young people there in the media. Tout ce qui avait fait le média. All of those of the media. Pour entrer là-bas pour aider. So you can help. C'est une bonne chose. Is a good thing. Si vous connaissez la technologie. If you know technology, la technologie n'est pas simplement. Technology is not just. N'est pas simplement quoi là. It's not just to mix, to fix things. Electronic things. You can also be a computer engineer. And you know how to do those things. It's a good thing. Que Dieu soit béni pour ces moments. May the Lord be praised for this marvelous time. Que Dieu vous bénisse tous. May God bless you dans all. Le précieux nom de Jésus. In the mighty name of Jesus. Nous avons eu un culte merveilleux à Motherwell. We had a marvelous service in Motherwell. Le Seigneur nous a soutenu. That the Lord sustained us. Et nous voici encore ici à Glasgow. And you see us once again here in Glasgow. Quand on a dit écouter 50 personnes, les gens venaient beaucoup. When they say 50 people, a lot of people come. On n'a pas le nombre déjà. When they say there is no longer a limited number of people, people no longer come. On vit dans un monde en ombre. We live in a weird world. Alléluia. Amen. Invitez les gens. Dis-leur. Invite people. Tell them to come. Que nous venions écouter la parole de Dieu. So that we can hear the word of God. Que Dieu soit béni. May the Lord be blessed. Aujourd'hui, nous allons parler de comment exercer la foi. Today we're going to speak about how to exercise your faith or execute your faith. Comme le héros de la foi l'ont exercé dans la Bible. Like the heroes that is being executed in the Bible. Amen. Amen. Mais selon ce que j'ai écrit ici, so what pastor comment exercer la foi, how to execute faith, comme le héros like the de heroes la foi of faith of the biblical faith. C'est-à-dire comment ces gens-là ont exercé la foi. How those people executed their faith. C'est vrai. It's true. Nous parlons de la foi aujourd'hui. That we speak about faith today. Mais vous pouvez avoir la foi. L'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick, nous a parlé. You can have faith. And Evangelist Patrick spoke to us about having faith. The four pillars of faith. The four principles of faith. The four dimensions of faith. The four dimensions of faith. Ah, les quatre piliers de la foi, les quatre principes de la foi. Donc on a écouté tout ça. C'est vraiment des très bons enseignements. So it was good teachings. Faut les écrire. You need to write it. Et vous souvenez aussi dans votre vie. And you can also follow it in your life. Et aujourd'hui, comme je dis, comment? And today we speak vous savez, about tout ce qui est écrit. Everything that is written. Tout ce qui est écrit. Everything that is written. C'est écrit pour nous servir d'exemple. Is written so that it can be an example for c'est us. Comme un livre de Maurice Grévis. It's like a book of Maurice Grévis. C'est écrit pour que nous puissions apprendre la grammaire française. It's written so that they can learn the French grammar. Et quand vous voyez tout ce que cet homme a écrit. When you see everything that man has written. Avec un français fignolé. With a good French. Et puis ce qui est écrit dans la Bible. What is written in the Bible? Nous devons nous servir de cela. We need to serve according to it. Pour it needs to serve nous us. Puissions voir une vue générale de ce que Dieu demande à ce que nous so we can see a general life of what God wants us to be. Voilà pourquoi j'ai intitulé cela. That's why I've titled it. Comment exercer la foi? How to execute faith? Comme le héros. Like the heroes biblique. in the biblical faith. L'ont exercé. How they executed it. Et ce que nous devons savoir, what we need to know, la foi, is a faith, c'est un mot, is a word. Mais je pense que ça vient du verbe croire. But I know that it comes from the verb believe. Et quand nous parlons de croire, when we're speaking about believe, ce verbe prédit trois choses. That verb can say three things. Et exprime d'abord l'espérance. It expresses a hope. Exprime l'obéissance. Expresses obedience. Et exprime l'amour. It also expresses love. Envers Dieu. Towards God. Vous comprenez? Donc, you understand? Croire. To believe. Quand on dit croire. When they say believe. Ça exprime trois choses. It expresses three things.
Je dis en premier lieu l'espérance. I said first is hope, l'obéissance, obedience, et l'amour and love envers Dieu. Towards God. Quand vous avez toutes ces choses, when you have all those things, vous êtes une personne complète. You are a complete person. Je ne dis pas que exercer la foi. I'm not saying that for to you to execute your faith. Mais je dis exercer la foi comme les gens de la Bible l'ont exercé. But for you to execute your faith the way that the people in the Bible did. Parfois, lorsque tu as la foi, at times when you have faith, mais bien aimé, beloved, tu vas voir que toute chose est petite. You think that everything is small. Rien n'est grand devant toi. Nothing is big before you. Rien n'est difficile devant toi. Nothing is difficult before you. Même quand tu penses, at times, even when you think, les choses peuvent arriver. Things can happen. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle le genre de la pensée positive. You know that the people who think those walls have a positive thought. Ils peuvent simplement penser comme ça. They can just think of something. Et la chose, ils peuvent voir cela. C'est comme. And they already see things in a positive way. Il est là comme ça, il est en train de regarder. They're there, they're just looking. Je crois que I believe quelqu'un est en train de venir là. That someone is coming there. De la personne, and when you see the person, et vous allez voir que la personne arrive. And you see that that person will c'est come. Simplement cette foi là. If only that faith. Donc la foi, mais bien aimée dans le Seigneur. So faith, beloved in the Lord, a une définition dans la Bible. Is that there has a definition in the Bible que nous connaissons tous. That we all know. Ferme assurance des choses qu'on espère. Is a firm assurance of the things that we do hope for. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. And a demonstration of what we do not see. Comment ces gens-là qui ont eu la foi? But those people who had faith. Comment l'ont-ils exercé? How did they execute their comment faith? Comment cela peut nous servir aujourd'hui? How can that serve to us today? Be useful to us today? Parce que nous tous nous disons que nous avons la foi. Because we all say that we have faith. Il y a la foi générale. There's a general faith that you believe in Jesus Christ. Hein? Je crois au Seigneur Jésus. I believe in Jesus Christ. Comme son vrai Seigneur. Like our Savior and Lord. Qui est celui qui a créé le monde. We know that He's the one that created the world. Le monde a été créé par la parole. And the world was created by the word. Mais aussi, il y a le don de la foi. But there's also the gift of faith. Parce qu'il y a le don de la foi. There's also the gift of faith. Et puis vous allez voir que le don de la foi. And you see that the gift of faith est classifié parmi les dons qu'on is classified, le don de puissance. Is classified among the gift that we call the powerful gift. Voilà, donc la foi c'est une puissance. So faith is c'est a powerful thing. It's classified don among the gifts that we call the gifts of power. Mais ce n'est pas ce que je veux parce que Dieu donne le don. Chacun peut avoir un don. God gives a gift to everybody. Everyone has their own et gift. Selon qu'il veut. According to what they want. Je peux avoir le don de la foi. I could have the gift of faith. Juste à partir qu'il a le don de la parole des connaissances. And evangelist Patrick can have the gift of the word of the knowledge of the word ou of God. Parole de sagesse. Or the word of wisdom. Il peut avoir le discernement des esprits. He can have the discernment of spirits. Il peut avoir la prophétie. He could have prophecy. Il peut avoir la diversité des langues. He could have the diversity of tongues. Et interprétation de langues. And also the interpretation of tongues. Le don de guérison. And the gift of healing. Each one of us. And those gifts you only know pour l'utilité commune, for you to use, on n'apprivoise pas un don. We do not take a gift. C'est-à-dire qu'on ne garde pas ça pour soi. We do not keep that for ourselves. Mais nous mettons ça au service des autres. But we put that to serve others. Quand on a le don, on le when we have a gift, we put it to serve et quand others. Tu as le don et que tu ne mets pas au service des autres, and when you have a gift and you don't use it to help others, tu es simplement un égoïste. You're just a selfish person. Et puis, il faut savoir que tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. And you need to know that you might not even inherit the kingdom of parce God. Que c'est quelque chose que Dieu donne pour l'utilité commune. Because it's something that God gives for you to use in the community. Ce n'est pas un don n'est pas donné pour que tu l'utilises dans ta cuisine. It's not a gift that was given to you for you just to use in your kitchen. Ou bien dans ta chambre à coucher. Or just in your room when you're asleep. Non, c'est pas ça. That's not it. Alors, nous allons lire la parole de we're Dieu. Going to read the word of God. Nous lirons trois passages. We're going to read three verses. Nous lirons Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. Genesis chapter 12, verse 1 to 4. Et puis nous allons lire Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 13. Then we'll read Hebrews chapter 11, verse 1 to 13. Et puis nous allons lire Romains chapitre 4, le verset 17 à 22. Then we'll read Romans chapter 4, verse 17 est-ce to 22. Est-ce que tu peux avoir le loisir de te tenir debout? Can you stand up to read the word of God, including the children? Pour que nous lisions la parole de Dieu. So that we can read the word of God. Alléluia. Je vais lire Genèse. I read in Genesis. Chapitre 12. Genesis chapter 12. Et nous allons commencer à partir du premier
verset. Je crois que c'est quelque chose que nous lisons toujours. C'est un. I'm going to start from verse 1. Quelque chose que nous connaissons. La Bible dit ceci. And the Bible says. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people and your father's household to the land I will show you. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. So Abraham went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Nous allons lire au Hébreu. Then I read in Hebrews. Chapitre 11. Hebrews chapter 11. À partir du premier verset. From verse 1. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. This is what the ancients were commended for. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclaré juste. Dieu approuva ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. By faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, he was commended as righteous when God spoke well of his offerings. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. C'est par la foi que Noé fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé, car et avant son enlèvement, il avait rendu les témoignages qu'il était agréable à Dieu. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ce que s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. C'est comme la foi, on a décidé des choses qu'on ne voit pas. Like we say, faith is things that we do not see. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voit pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. By faith, Noah went warned about things that not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he commended the world and became heir of righteousness that is in keeping with faith. Le verset 8 nous ramène à Genèse chapitre 12. And verse 8. Qui nous ramène au chapitre 12. We'll take to verse 12. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, c'est-à-dire du jour où il a été appelé. So the day that Abraham was called. On dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit
sans savoir où il allait. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. C'est par la foi qui vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents and did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. For he was looking forward to the city with foundation, whose architect and builder is God. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children, because she considered him faithful who had made the promise. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé du corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. And so from this one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky, and as countless as the sand of the seashore. Le dernier verset, the last verse, verse 13. Lis attentivement ce verset. You need to read this verse carefully. Attentivement ce verset. La Bible dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts par la foi. They all died by faith. Sans avoir obtenu les choses promises, même les choses que Dieu leur avait promis. Even the things that God promised them. Ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas vu ça. They didn't see it. Ils n'ont pas touché à cela. They didn't touch it. Sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. All these people were still living by faith, and when they died, they did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, admitting that they were foreigners and strangers on earth. You may be seated. J'aime le verset que nous venons de lire là. I love the verse 13 that we just read. Y a des gens qui disent, je ne mourrai pas. There's other people say, I will not die. I will live. You promised. Maybe you might not even see that promise. Alleluia. Amen. Maybe you might not even see that promise. But listen to what the Bible says. C'est par la foi qu'ils sont tous morts. It says, but they're still living in faith that they all died. Vous savez, Abraham, hein? You see that Abraham, qui était devenu Abraham, that then became Abraham. Parce que son nom était Abraham. His name was Abraham. Et il est devenu Abraham. Abraham and then he became Abraham. Un homme qui était noble. He was a noble man. Le nom d'Abraham veut dire noble. It just means noble man. Mais Abraham, but Abraham, le père de la multitude, is the father of multitude. Deux choses différentes. Those are two different things. Un homme qui était noble, a man who was noble, qui était devenu un père de la multitude, and he became the father of multitude. Isaac, Jacob, ils sont tous le co-héritier de la promise. They're the co-heritors of the promise. Dieu leur avait promis. God promised them que votre postérité, that your blessings or prosperity will be like the stars in the sky. Ça sera comme le sable de la mer. It will be like the seashore. Que on ne peut même pas compter. That we cannot even count. Et ils n'ont pas vu ça. And they did not see that. Ils n'ont pas vu. They did not see la that. La Bible dit qu'ils sont the Bible says that they all died sans avoir obtenu without seeing it ce que Dieu leur avait promis. What God had promised them. Mais ils ont salué ça.
But they greet today, welcome day. C'est ce qu'on appelle l'espérance. That's what we call hope. Parce que l'espérance projette les choses de loin. Because hope it brings you things from the distance. L'espérance, the hope, c'est ce que tu désires. Is what you desire to have. Les choses que tu désires avoir. The things that you desire to have. C'est-à-dire l'espérance. So that means hope. C'est-à-dire la réalisation de choses que toi tu désires. Is the realization of things that you desire. Ces gens-ci n'ont pas vu ça. But those people did not see it. Mais ils ont cru. But they believed. Ils ont cru. They believed. Et la Bible dit qu'ils and the Bible says that they welcomed it from that distance. Il dit, mon enfant là-bas, il s'appelle, they say, my child that is called qui s'appelle David. That is called David. David, je te salue. They say, David, I greet you. Alleluia. Amen. On dit même que they even say gens qui ont payé la dîme, there are people who pay their tithe par d'autres personnes. Through other people. C'est-à-dire, so that means that's faith. Mais bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, tu n'as pas vu. You did not see. Vous savez, nous avons toujours dit que Dieu ne ment pas. We always say that God does not lie. Il n'est pas un homme pour he is not a man to lie. Et il n'est pas un fils de l'homme pour revenir à ce qu'il a dit. Neither is he a son of man to take back what he mais has said. Mais nous devons savoir que. But we need to say, to know. Il y a des choses que Dieu a promises. There's things that God has promised. Que nous n'allons pas avoir ça. That we will not see it. Parce que c'est tes enfants qui auront ça. It could be that your children will be parce the one who will have foi, it. Because faith. C'est faire de tes enfants, de tes petits enfants. Is to make your little children of what you desire today. Alleluia. Amen. La foi, c'est comme un architecte. So faith is like an architect. Un architecte. An architect. Avant de commencer de construire. Before they start building a house. Il a pensé quelque chose. They already thought of something. Et il dessine. And they design. Il dessine. They design. Il dit que non, les toilettes seront ici. They say the toilet will be inside. Toilette dans la salle de bain. There'll be the toilet. The à bath will be there. Aura la, le toilet. There will be a toilet. Le salon sera ici. The living room will il be there. Salon en dessous there'll de be la... another living room there. Et il fait ça. That's how they do it. Mais ils croient que cette maison qui but they believe that that house that they're designing, la même chose. It will be the same thing. Donc, la foi, so faith, cette espérance-là, so that hope, ça permet que tu vois des choses au loin. It allows you for you to see things from far. Si tu vois que non, if you see il y a un de tes enfants, that one of your children qui sera premier ministre de ce pays, that will be the first minister of this country, you have faith, all you need to do is just believe. You just need to accept it. Et vous allez voir que, and then you will see nous allons étudier petit à petit, that we're going to go little by little, voir comment les héros de la foi, we'll see how the heroes of faith qui sont dans la Bible, that are in the Bible, comment ils avaient exercé leur foi, how they executed their faith. Parce que aujourd'hui nous étonnons. Because today we are astonished. Nous avons la foi simplement quand on nous pousse. We only have faith when they push us. On pousse, on dit, when they push foi. You, hein? Faith. Et la foi. They tell you need to have faith. But beloved in the Lord, la foi c'est la marche. Faith is when you walk. Tu marches avec la foi. You walk with faith. Tu marches, that means when you walk, y a believing that there is no danger. Nous, la foi, c'est quoi? So what is faith? Quand nous entrons dans l'avion pour aller au Congo démocratique, au Cameroun, when you go in an aeroplane to go to Africa or to Congo, au Burundi ou en Côte d'Ivoire, or to go to any country, tu entres, tu dis que non, je vais aller. You go and you say, I will arrive at my destination. Est-ce que tu connais le pilote qui pilote cet avion? But do you know the pilot that is going to take nous the plane? Nous croyons au pilote. We believe on the pilot. Mais nous ne croyons pas à Dieu. But we don't believe in God. Alléluia. Amen. On croit souvent au pilote. We only believe on the pilot. Va me conduire, va piloter. That the pilot will take this plane même all the way to the destination. Even when there's tribulation, ça passe des zones de tribulation. It goes through for the weather of tribulation. Et vous allez voir le pilote va dire. You see that the pilot will say. Serrez vos ceintures. That for you to put on your seatbelt. Nous passons des moments de tribulation. We're going through weather of tribulation. We're going through tribulation. Nous passons dans les zones de tribulation. We're going through the zones of tribulation. Ne don't fear. You just trust the pilot. Ça doit être la foi comme ça. That's what faith needs to be like. Faith is like every day of our life. C'est comme ça que le jour de la Bible. That's how the people of the Bible, les héros de la Bible, the heroes of the Bible, la Bible dit ceci, the Bible says, pour l'avoir possédé, for them to take possession, c'est-à-dire pour avoir possédé, so for you to take possession non, or to have it, oui, pour avoir la foi. For you to have faith. Pour avoir eu la foi. C'est for you to have faith. Parce qu'ils avaient eu la foi. Because those people had faith. La Bible nous dit ceci. The Bible tells us. Dieu les a rendus. En fait, lisons. La Bible dit ceci au verset
verset deuxième. In verse le verset dit ici, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. It says this is what the ancients were commended for. Un homme de foi, a man of faith, il a toujours un témoignage favorable. They always have a good testimony. Un homme de foi, a man of faith, il connaît ce qu'il fait, who knows what they do, il a confiance à Dieu, and they trust in il God, a espérance en Dieu, and they have hope in God, et il sait ce qu'il est en train de faire. They know what they're doing. La Bible dit que pour l'avoir possédé, the Bible says for them to have been commanded for, les témoignages they favorables. Obtained the favored testimony. C'est pourquoi, frères et sœurs, that's why, brothers and sisters, la foi n'est pas un slogan. Faith is not a slogan. Vous savez, you know, a lot of people here, nous disons, je crois. We say that we believe. Je crois. We believe. Mais écoute, but listen, si un malheur arrive ici maintenant, if something bad happens nous right now, we're all going to be afraid. La foi, faith, ce n'est pas avoir peur. Is not for you to be afraid when a danger comes. Quand le problème arrive, when a problem comes, ce n'est pas avoir cette peur-là. Is for you not to have that je fear. Vous dit que nous, les I've told you that peur. The preachers, they sometimes have fear. Et je me dis peut-être and que I say, it could be. Nous avons souvent peur, pourquoi? Why are we afraid? Parce que quand nous prêchons la parole, because when they preach the word of God, c'est Dieu qui nous dit que ça. It's God that's telling us nous this. Nous sommes simplement des tuyaux transmetteurs. We are only just the instruments or a way of transmitting Dieu transmet par nous that God transmits la through us Dieu. The word of God. Et il choisit les gens qui sont and he chooses people who are weak, les gens qui sont peureux. The people who are always afraid, même fearful. Simon Pierre, il était peureux. Even Simon Peter, he was a fearful man. Alleluia. Amen. Mais il avait la foi. But he had faith. Alors, comment la première chose que ce genre-là, so the first thing that those people ont fait, did, lorsque Dieu les utilisait ou quand Dieu les a appelés, or when God used them and when God called them, le verset 8 de Hébreu dit ceci. In Hebrews chapter 11 verse 8 it says, on est en train d'analyser la parole de Dieu, okay? We're just going quick in the word of God. La Bible dit ceci. The Bible says, c'est par la foi, by faith, Abraham sa vocation, when called to, d'abord il faut savoir que Abraham vient d'un il vient de la Mésopotamie. You need to know that Abraham first came from a Potamic house. Et il était un idolâtre. That he was an idolatry. Et il connaissait pas Dieu. He didn't know God. Quoi qu'il était un homme noble. Even though he was a noble man. Et il était pas, Abraham n'était pas un Israélien. Abraham was not an Israelite. Amen. Amen. Abraham n'était pas Israélien. He was not an Israelite. Isaac n'était pas Israélien. Isaac was not an Israelite. Israël a commencé par Jacob. The Israelites started by Jacob. Que nous appelons aujourd'hui les 12 tribus d'Israël. That's why we call them the 12 tribes of Israel. Ceux qui ont formé ce qu'on appelle la nation d'Israël. That's what was formed the nation of Israel. Qui a été créé en 1948. That was created in 1948. Avant la deuxième guerre mondiale. Before the Second World War. On a reconnu Israël comme un État. That's when they recognized Israel as a nation. Ça existait déjà avant. But it existed before. Donc Abraham venait. So Abraham came. Là où les gens adoraient les idoles. Where people used to worship idols. Ils avaient des statues. There were statues. Ils avaient there. Des fétiches. They had witchcraft. Et la Bible nous dit. And the Bible says. Lors de sa vocation. When they called him. Quand Dieu l'a appelé. When God called him. Voici la première chose qu'Abraham a fait. This is the first thing that Abraham did. La Bible nous dit, the Bible tells us, c'est par la foi qu'Abraham, by faith Abraham, lors de sa vocation, when called to, obéit. When called to go to, obéit. He obeyed. Il a simplement obéi. He obeyed. Il n'y a pas la foi sans obéissance. There is no faith without obedience. Je vous ai dit ici que le verbe croire. I told you that the verb to believe exprime. It expresses, exprime, expresses l'espérance, hope, l'obéissance, obedience, et l'amour, and love. Si tu as ces trois choses-là, if you have those three things, déjà arrivé. You have already alors, arrived. Quand, quand you need to understand Abraham, that when God called Abraham, Abraham a eu l'obéissance. That Abraham had obedience in him. Dieu a testé cet homme-là comme un homme de foi. God tested that man as a man of faith. À cause de l'obéissance. Because of obedience. Quand tu m'envoies, when you see me. Vous savez, il y a des moments, le pasteur Daniel m'envoie quelque part. You see that when Pastor Daniel sent me somewhere. Je le fais sans hésitation. I would do it without any hesitation. Je le fais. I would do même it. Quand on me dit prêche,
Even when they tell you preach, I will preach without hesitation, with obedience. That's how we discover someone who has faith or obedience. They first have obedience. So faith is to obey. If you do not obey, it will not arrive. Amen. 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 J'aimerais que tu répondes amen. I want you to answer back, amen. C'est ça. Et si nous voyons dans la pêche miraculeuse. And if we see that the miracle fishing. La pêche miraculeuse. The miracle fishing. Dans le livre de Luc chapitre 5. In the book of Luke chapter 5. Vous pouvez lire à partir du premier verset. From verse 1. Vous allez voir ceci. You will see. Jésus arrive, il trouve Pierre et André. Jesus arrived and he saw Peter and Andrew. That they were washing their neck. Et quand il est arrivé là, and when they arrived there, il a commencé à prêcher la parole. He started to preach the word il of a God. Prêché, he started to preach. Ce genre-là, and avez, those people, quelqu'un que vous ne connaissez pas, someone who you do not know, il vient simplement comme they ça. Just come like that. Il vous dit, écoutez, and they tell you, listen. Il entre dans le bateau, they go into the boat. They go in the boat. Il dit, allez, pousse le bout de filon là-bas. And he say, et il commence à there, prêcher. And he starts to et preach. Là, ils écoutaient la and they were just there listening to the word of après God. Cela, and then after that, écoute ce qu'ils ont fait. Listen to what Jésus they say. Te dit, Jesus Christ said, avancez dans la profondeur. Go deeper. Et il a dit, jetez le and he say, throw your net. Écoute ce que Pierre a dit. This is what Peter said. Nous avons pêché toute la nuit. He said, Master, we walked out all night. Toute la nuit, all night. Sans rien obtenir. And haven't caught anything. Un pêcheur de qualité comme Pierre. As Peter had such quality as a fisherman. Mais il a dit que nous n'avons pas pêché. But nous n'avons rien obtenu. He said that we didn't get anything. We didn't catch mais anything. Sur ta parole. But because of your word. Donc, ça veut dire que obéissant ta parole. So by obeying your word. Je vais filer. Je vais jeter le fil. I will let down the net. Ils avaient d'abord obéi. If he obeyed first. C'est ça ce qu'on appelle la foi. That's what we call faith. Obéir d'abord. Is to obey first. Do not hesitate. Do not murmur. Fais simplement. Just do it. Ça dit tout ce que ta so that means everything that the Bible tells you to do, you just do it obéir. By obeying it. Alleluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui n'obéissent pas. Because there's people who do not obey. Vous savez, je disais à Motherwell tout à l'heure. You say, I say to Motherwell, in Motherwell. Il n'y a pas de miracle qui se produit au milieu de nous. There's no miracle that happens between among us. Parce que par manque d'obéissance. Because of lack of obedience. Nous désobéissons à Dieu. Because we disobey God. Je disais tout à l'heure que. That always say. Vous croyez que guérir un malade. Do you believe by healing a sick person? Ça se fait simplement comme ça. Is it just done like si that? Si tu n'obéis pas préalablement. If you do not obey. Il faut obéir d'abord. You need to obey first. À quelque chose qui a été dit. To something that was said. Si tu obéis, if you obey, tu vas voir que les choses deviennent très faciles. Then you see that things become easy. Les gens t'appelleront un homme de foi. People will call you a man of faith. Abraham n'a pas hésité. Abraham did not hesitate. La Bible dit que the Bible says il a pris ses bagages. That he took his belongings. Il est parti jusque à Cana. And he went all the way to Canaan. Il a habité dans la terre promise. He lived in the promised land. Il était là-bas. He was there. Il ne savait pas où il allait. He did not know where he was parce going. Que la foi, c'est quand vous fermez les yeux. Because faith is when you close your eyes. On ferme les yeux. They close your et eyes. Dit, and they tell you walk. Si tu as confiance à moi. If you trust me. Si tu as confiance à celui qui te demande. If you trust the person that's asking you to do it. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord, you will just obey. Tu sais ce qu'il te demande de faire. And then you will just follow what they're asking you to do. Et vous allez arriver là-bas. And you arrive at the voilà destination. Pourquoi ces gens-là ont obtenu. That's why those people obtain a great testimony. Ça, c'est la première des choses. That's the first thing. Obéir d'abord. Is to obey. Parce que si tu n'obéis pas. Because if you do not obey. Regarde, si on te dit. Beloved, listen. Divine, prie pour cet homme-là. If they say divine, pray for that man. Tu vas commencer d'abord à regarder moi. You start looking first me. Moi divine. Me divine. Parce que quoi? Why? Tu regardes toute. C'est-à-dire, je sais pas, je vais dire quoi? You're like, oh, what should I say? Je vais parler comment? How will I speak? Quelle est la puissance que j'ai? What power do I have? Donc, tu commences à te poser toutes ces questions. You start asking yourself all those questions. Pour Dieu, on ne pose pas des questions. But for God, you do not ask any questions. Alléluia. Amen. Parce que si vous questionnez l'autorité de Dieu, because when you question the authority of God, nothing will come. Obéis simplement. All you need to do is just obey. Abraham, on lui a dit. Abraham said, ta prostérité sera comme le sable de la mer. That your prosperity will be like the seashore. Il a simplement
and like the stars on the skies, all he did was obey. Vous savez, c'est très difficile. It's really difficult. Comme nous là, on a fait 19 ans à Glasgow. For those who have been in Glasgow for 19 years or more, on te dit, écoute, they tell you, listen, sors de Glasgow, pas simplement comme ça. Come out of Glasgow and just tu go. Sais comment ça va te coûter? Do you know how much it will cost you for you to make new friends again, establish yourself? Ça te coupe les yeux de la tête. It already gives you a headache. Imagine simplement toi-même. Just not imagine yourself. Tu es habitué quelque part. That you're already used to be somewhere. Et quelqu'un que tu ne connais pas. And someone who you do not know. Toi qui es un idolâtre. You who as an idolatry. Et on te dit vas-y. And they tell you go. Et il a obéi. He just obeyed. Abraham ne connaissait pas Dieu. Abraham did not know God. Alléluia. Amen. Nous avons les dieux. Nous les Africains, on a les dieux à Congo. African, we have different gods in Africa. Nous avons Mapungu, si c'est quoi là? Hein? Different gods in Africa. Dieux, they have all those type of gods. And they tell you now, que l'homme noir, for even a black man Dieu, to accept, on lui a fouetté d'abord. They had to whip them first or beat them up. Les Belges sont venus chez nous. The Belgian came. Je parle un peu de la Côte d'Ivoire. The Belgian came. And on a fouetté jusqu'à ce que l'homme a commencé à comprendre. Until they start to understand. Parce qu'il y a ce moment où l'homme ne. Because it came to a time that men, they only listen to the word of beating. Et particulièrement le chrétien, il commence especially the Christian, they only understand when God starts to beat them up. Dieu, maintenant, je comprends. Is that God now quand I understand? Là, when the word speaks come, that's when Christians il say, maintenant. That's when they understand. Mais quand Dieu parle, but when God just speaks directly, they don't understand. Il ne comprend pas. They il don't ne understand. Pas they don't want to obey. Alléluia. Amen. Comprends que l'obéissance, you need to understand that obedience, prolonge tes jours sur la terre, will prolong your days on earth. Alléluia. Amen. Ah, toi tu n'es pas obéissant, if you're not obedient, tu ne vas pas prolonger tes jours, you will not prolong your life. Tu ne vas pas, you will not. Ne crois pas, la Bible ne ment pas. The Bible does not lie. Obéis à tes parents. Il y a un petit obey your parents. Obéissez à vos parents. It's the children dit. Obey your parents. C'est un commandement lié à une promesse. It's a commandment that is tied to a promise. La promesse c'est laquelle? The promise is pour que tu réussisses, for you to be successful, et que tu prolonges tes jours, and for you to prolong your life. Mais tu n'es pas obéissant. So if you're not obedient, ça dit tu n'as même pas la foi. You don't even have tu faith. Tu n'es pas obéissant. You're not obedient. Tu ne peux pas prolonger tes jours. You cannot prolong your days or your life. Tu ne prolongeras pas. You will not prolong. Même si tu dis Seigneur. Even if you say, God, add more years to my life, like Ezekiel did. Comme nous aimons souvent citer le nom d'Ezekiel. Like we always say the name of Ezekiel. Est-ce que vous savez, beloved, do you know ce qu'Ezekiel a fait? What Ezekiel did? Non, dis d'abord, quand tu dis, Seigneur, comme Ezekiel. When you say, Lord, like Ezekiel, but did you know what he écoute did? Écoute sa prière. Listen to his prayer. Il dit, Seigneur, he said, Lord, j'ai marché devant toi avec intégrité de he said, I walk before you with a righteous heart and with faithfulness. Il avait détruit tous les hauts lieux. He destroyed all the idols. Les choses que Dieu n'aime pas. Things that God did not like. Et toi là. By you. Sépare-toi simplement de ton copain et de ta copine. Just separate yourself from your boyfriend or your girlfriend. Est-ce que c'est possible de vivre comme ça? Is it possible for you to live like that? Non. Et non, la médecine dit que you're tu. Like, oh, no. Ce n'est pas la médecine. It's not about medicine. Tu vas mourir. It's not about doctors. Beloved, you will die because of it. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens meurent. Today, people die. À cause de maladies. Because of à sickness. À cause de leur infidélité. Because of their unfaithfulness. Parce qu'ils n'ont pas, ils sont pas obéissants. Because they're not obedient. Quand tu n'es pas obéissant. When you're not obedient. Tu ne peux pas prolonger tes jours. You cannot prolong your life. Amen. Amen. Et vous savez que Abraham, and you know that Abraham, quand Abraham Dieu l'a appelé, when God called Abraham, Dieu avait déjà réduit l'âge de la personne. God had already reduced the ages of people. Mais vous savez qu'Abraham a vécu longtemps. But you know that Abraham lived for a long time, more than 120 years. He was only meant to live for 120, but God added more years to Abraham because he was an obedient man. Les enfants, tes enfants ne sont pas obéissants à la your maison. Children parce are not que toi-même, tu n'obéis pas à Dieu. Because you yourself, you don't obey God. Tu veux simplement dire, comment vont les enfants d'aujourd'hui? You're like our children of today. Toi-même, commence d'abord. By you yourself, it starts by obeying God first. Est-ce que tu obéis Dieu? Do you obey God? Pour dire que non, for les you to say, my children don't obey. They are going to drive you crazy. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'obéis pas. Because you do not obey. Toi, tu veux simplement qu'on t'obéisse. Oh, you only want to obey. You obey. Les gens de la Bible. The people of the Bible. Ont obtenu un
they obtained a favorable grace because they had faith. And a lot of them, they first obeyed. Before they were declared men of faith, they were obedient men. What about you? How come you do not obey? My brother, my sister, because one day, because of disobedience, vous allez voir que you will see devant le trône de Dieu, before the throne of God, tu ne résisteras pas. You will not resist. Tu ne peux pas. You will not. Parce que tu es désobéissant d'une because you are disobedient in a way qu'on ne peut même pas décrire. That we cannot even describe it. Mais il est parti. But they go. Mais they went. Si tu veux construire la foi en toi, beloved, if you want to build faith in you, la foi ne vient pas automatiquement comme ça. Faith does not just come straight away unless, à moins que tu aies les dons de la foi, unless you have the gift of faith, les dons de la foi, the gift of faith, dont je parlais tout à l'heure là, that what I spoke of, comme étant une capacité surnaturelle, is a natural capacity que Dieu donne à quelqu'un, that God has given to someone, pour exercer le pouvoir, for you to execute that c'est power, ce qu'on appelle la foi. That's what we call les faith, dons de la foi, the gift of faith. Mais la foi, simplement, que la Bible but faith of what the Bible is telling us, cette foi-là, that faith, nous allons voir cela avec we la will foi, see, mort, etc. You will see with so many people, mais but beloved, cette foi-là, that ça faith s'est construit, built, tu dois construire. You need to vous build it. Les gens qui ont vécu longtemps dans l'église, you know that people who have lasted long in the church, les gens qui ont marché longtemps avec Dieu, those people who walked for a long time with ils God, ont construit leur foi. They built their faith. Et la première des choses, and the first thing, obéissance, was obedience. Commence à obéir. They start, you need to start to obey. Toi, l'obéissance, c'est ce manque de doute, manque de to obey for you is for you not to hesitate, for you to murmur, or for you not to parce doubt. Quand tu hésites, because when you start to hesitate, tu as déjà désobéi. You have already disobeyed. Ce que tu as demandé, ça n'arrivera pas. And you need to know what you have asked, it will not come. Parce que c'est un élément qui construit, because it's an element de la foi, that builds faith. L'obéissance, un obedience élément constitutif de la foi, is an element very important of faith. Si tu commences à obéir, if you start to obey, quand je parle de l'obéissance, when I'm speaking about obedience here, je ne dis pas ici, I'm not saying, tu es lesbienne, tu vas te marier à un lesbien parce qu'on t'a demandé de faire ça. Non. That you are lesbian and you get married to a lesbian. No. Tu es homo, tu vas te marier à un homme. Non. Or if you are homosexual and you go married to another. But you need to understand. Even if you are, et que la Bible te dit, and the Bible tells you, sépare-toi, for you to separate, tu obéis simplement, you need to obey straight away. Il y a des gens qui disent, je suis the people say, oh, I was born like that. Je suis né un homme, I was born a man, je le désire comme une femme. But I have a desire like je a suis woman. Une femme, I'm a woman, je le désire comme un homme. But I have a desire like mais a man. Lui qui a créé le monde, but the one who created the world, he knows that your desire, he's the one that created you physically, tu like this, homme, that you're a man, femme, that you're a woman, Seigneur, Lord, oh, je me viens à toi. He said, I come to you. Seigneur, fais de moi, Lord, do to la me personne, the person that you, because it's you that created me. So why should I have that deviation? L'obéissance. Obedience. Vaut mieux que le sacrifice. It's better than sacrifice. Parce que si tu as l'obéissance, because if you have comme obedience, Abraham, like Abraham, le père de la foi, the father of faith. Nous appelons Abraham le père de la foi. We call Abraham the father of faith. C'est comme s'il était né avec l'obéissance. It's as if he was born donc, with obedience. It's as if he was born with faith. Now Luke, Dieu lui demande, God asked him, va, go, il a obéi. And he obeyed. Peu importe. No matter how he's going to arrive there, that is God's problem. God is only telling you to go, just go, do this. Faith is that. You need to start to obey. When God asks for you to give me your son, your only son. Listen, there was one thing. Tu peux peut-être dire que pasteur non. You can say pasteur no. Abraham avait accepté. Abraham accepted it. Parce qu'il savait qu'il avait un autre fils qu'on appelait Ismaël. Because Abraham, people can say, oh, he only accepted because he had another son called Ismaël. Et que la promesse devait aller à and the promise would then go to Ismaël. Mais quand Dieu a spécifié, but when God specified, il dit que l'enfant qui est sorti de la ta servante, he said the child that came from your servant, n'héritera pas le même héritage que ton fils. Will not have the same heritage as your son. Et maintenant Dieu lui dit, and now God is telling him, quitte ton pays. Leave, en fait,
va m'offrir ton fils. Give me your son as an offering. Il a obéi. He obeyed. Alléluia. Amen. Ça, il commençait déjà à construire sa foi. He already started building his faith. Si tu veux construire ta foi, if you want to build your faith, exercer la foi, you want to execute your faith, comme les gens de la Bible, like the people of the Bible, obéis simplement. You just need to obey. Alléluia. Amen. Obéis simplement. You just need to obey. Amen. Amen. J'obéis. Just obey. Il faut obéir. You need to obey. Si tu n'obéis pas, if you do not obey, tu ne peux pas construire ta foi. You cannot build la your faith. La foi est constitutive. That your faith needs to be built. Tu fais d'abord. You need to do it first. On a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. They say this is the blessings that will follow those who believe. En mon nom, ils chasseront les démons. In my name, they will cast away demons. Si tu veux être un homme de foi, if you want to be a man of faith or woman of faith, you need to obey that word first. Si tu obéis à cette if parole, you obey the word of God, tu dis simplement, you just say, parce que y a souvent des doutes en nous. Because at times we doubt, there's so many doubts in us. Dans le nom de Jésus, you say that in the name of Jesus, je te commande, I command you de quitter, to leave. Il va obéir. And it will obey. Mais nous avons des doutes. But because we doubt, nous doutons. Because we doubt, l'obéissance, obedience, faites toutes choses. La Bible do everything, the Bible says. Dans le livre d'Éphésiens, non, Philippiens. In the book of Philippians. Philippiens chapitre... Qui peut trouver ça, maman, ceci? Tu étais fort en verset là-bas. Hein? Bon, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, allons-y. Le verset, je crois, 12. Commençons par 12. Verset 12. Ok, Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci. The Bible says. Bon, est-ce qu'on peut commencer le verset 14? We start from verse 14. La Bible dit ceci. The Bible says. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Do everything without grumbling or arguing. Bon, si nous commençons à 12, commençons d'abord à 12, parce que pour avoir une bonne idée, là, dit, verse 12, so ainsi, bien-aimé, comme vous avez toujours obéi, therefore, my dear friend, as you have always obeyed, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Not only in my presence, but now, much more in my absence. Avec crainte et tremblement, non simplement à ma présence, mais plus que. Bien plus encore maintenant que je suis absent. Continue. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Continue to work out your salvation with fear and trembling. For God it is who works in you will do will and to act in order to fulfill his good purpose. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. He said, do everything without grumbling or arguing. Faites toutes choses sans He said, do everything without any exception. Quand, avant de faire quelque chose, n'est-ce pas? Before doing something, si cette histoire-là if that thing est dans la parole de Dieu, is in the word of God, faites-le sans hésitation. Do it without hesitation. C'est ainsi que vous allez voir. Is that when you will see comment l'obéissance paye? How obedience pays the reward. That's how you will build your faith. Ça c'est la première des choses. That's the first tous thing. Ces gens de la Bible, all those people of the Bible. Ils ont commencé par obéir. They started by obeying. Pour que Dieu les appelle. For God to call them. Les héros de la foi. The heroes of faith. Ils ont obéi. They obeyed. Mais si toi, tu ne but veux pas obéir. But if you do not want to obey. Tu crois que tu seras héros de la foi? You think that you'll be heroes of faith? No. No. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais dans les annales de l'histoire. You'll never be in the history. On ne parlera pas de toi. They will never speak about you. Il faut l'obéissance. You need to obey. Toi, tu ne peux pas obéir. You do not want to obey. Viens chanter la chorale. Come and sing. Les gens trouvent, c'est-à-dire, people think des explications inutiles. That you always give it so much excuses. Si Dieu retire l'oxygène que tu as là, tu vas faire comment toi? If God takes away your oxygen, what will you do? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui te donne tout. It's God who gives you everything. C'est que tu as là. Ne crois everything pas que that you have, don't tu ne t'appartiens pas à toi. It does not belong to yourself.
Corinthiens chapitre 6, je crois bien. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, 19. C'est par le sang précieux de Jésus que nous avons été rachetés. It's by the precious blood of Jesus that we were redeemed. Et que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. And we do no longer belong to ourselves. Tu ne t'appartiens pas. You do not belong to yourself. C'est lui qui t'a appelé. The one who called you. The one who made the promise. D'abord. You need to obey first. Obéis à la promesse de Dieu. Need to obey the promise of God. Il faut savoir. En fait, c'est you need to know le mode opératoire de Dieu. You need to know how to operate in God's world. How God operates. How God operates. Hallelujah. Amen. Le mode opératoire. On how God operates. Si tu ne connais pas comment Dieu opère, if you do not know how God operates, mais bien-aimé, tu seras chrétien pendant plus. Tu sais, beloved, you'll be, chrétien, you'll just be a Christian that we need to continue to les push. Autres vont entrer dans les annales de l'église. The others will go into the history book of the church. Mais toi, non. But you won't. Parce que les gens qui entrent dans les annales, because ils those who go into the history book, they obey first. Vous savez, pour que on consacre quelqu'un pasteur, for them to consecrate docteur, someone as a pastor, a doctor, or a teacher, le pasteur peut essayer simplement dire, the pastor Sabrina, can teach and say, Sabrina, est-ce que tu peux te tenir debout et prêcher? Can you stand and preach? Amen. Hallelujah. Amen. Si elle obéit, and she obeys, elle ne tient pas compte, and she does not disobey, de ce qu'elle est, of what she, elle n'a pas été she doesn't take into account what she is, théologie. That she didn't do theology or she wasn't in Bible mais studies. Toute la théologie qu'elle a appris, but si every theology that she's learned in the church, she can put that into value, to action. Beloved, vous allez appeler, you will call, c'est une femme de la foi. So that she's a woman of faith. Amen. Amen. Bon, on va finir. Mais we're going to finish here, but listen. Vous connaissez l'homme qu'on appelle Joel Osteen? Do you know the man that we call Joel Osteen? Le pasteur de Lakewood Church. He's a pastor of Lakewood Church. Voilà, aux États-Unis d'Amérique. In USA. Il a la plus grande église des États-Unis. He has the biggest church in USA, in America. Un jour, il rendait son témoignage. One day, he gave his testimony. Lui, il était dans le média de son père, comme he Isaac. He was in his father's media, just like Isaac. Comme Isaac est là. Il a fait les médias. He did media. Il était dans le média. Il voyageait avec he son père. He was there in media. He went with his father everywhere. Il ne connaissait pas prêcher. He didn't know how to preach. Mais il était simplement dans le média. He was just there in the media. Tout he knew how to do everything. C'est que la charmante Elsa est en train de faire. What Elsa is learning. Donc, il faisait simplement ça. That's all he did. Alors, il est arrivé un moment. It came to a time. Son père lui dit, Joe, est-ce que tu peux ce dimanche ici donner la parole? That his father said to him, Joe, can this day you preach the word of God? Il a dit, Daddy. He said, Dad, je ne peux pas. I cannot. Je ne connais pas prêcher. I do not know how to preach. Je n'ai jamais prêché. I've never preached. Je n'ai jamais. Comment? Il y a beaucoup de gens ici à l'église. He said, there's a lot of people here in the church. Les anciens sont là. The elders are there. Il y a des pasteurs qui sont là. There's pastors who are there. How can you just ask me to preach? Il a dit à son daddy. And he said to his dad. Non, je ne peux pas. I cannot. Son daddy a dit réfléchis. His dad said think about it. Et il est parti dormir. And he went to sleep. Le samedi. On Saturday. Il y a des choses qu'il lui dit. Something told him. Tu penses que Dieu. You think that God peut te demander quelque will chose ask you to do something that he himself cannot accomplish. Pourquoi tu n'obéis pas? So why don't you obey? Et le dimanche, en fait, le samedi nuit. And then that Saturday night. Il a appelé son père. He called his father. He did that. Say that. I'm going to preach. I will preach. Amen. Amen. Il a dit, il a pris simplement un thème comme ça. He said he just took a topic like un that. Un thème d'encouragement. About encouragement. Et il a commencé à prêcher. And he started to preach. Alléluia. Amen. Et tout le monde était épaté. And everyone was astonished. Ça n'a pas passé une semaine, son père est mort. Oh, and, then, and then after a week his father died. So his father was preparing him. Mois, he didn't prepare him about 3 or 4 months. He just told him that when I will not be there, it's you that will take control. Il avait d'abord refusé. He first refused. Comme Moïse. Like Moses. À la vocation de Moïse, c'était la même chose. Moses, when he called Moses, it was the same thing. Seigneur, je connais pas parler. He said, God, I do not know how to speak. Dieu lui a dit, mais qui a créé la bouche? God said, who created the qui mouth? Who created the tongue?
Alléluia. Amen. Obéis d'abord. Obey first. Cet homme, quand il a commencé à prêcher, that man when he started to preach, son père est mort. His father died. Et lui, il a commencé à prêcher. And he started to preach. Les anciens ont dit. The elders say, qui sera notre pasteur. I believe that he'll be our pastor. Aujourd'hui, today, il est le pasteur de la plus grande. Il a quoi? He is the biggest pastor in America. He's got a big church. Et puis quand tu suis ce message, and when you follow his message, c'est simplement le message de la foi. It's only the message of faith. Le message qui encourage. Only a message that encourages. If you listen to the man, even if you were tired, you would stand up and say, God is marvelous. Parce qu'il avait d'abord obéi. Because first he obeyed. Il faut obéir. You need to obey. My brother, my sister. Les hommes de la Bible, the man of the Bible, la première des choses, the first thing, c'est l'obéissance. Is obedience. Pour constituer ce qu'on appelle to build faith, il faut obéir. You need to obey. Si tu n'obéis pas, if you do not obey, Dieu ne donnera pas. God will not give la foi, faith. Parce que Dieu rejette, because God rejects tous ceux qui ne sont pas obéissants, all those who are not obedient. Alléluia. Amen. Hein? Ça veut dire, écoutez, il faut commencer à chanter. Il faut chanter. Start singing. Vous les jeunes gens, manque d'obéissance. The lack of obedience. Faites quelque chose. To doing something. Mais Dieu peut t'élever dans n'importe quel domaine de la vie. Lord can raise you up in any domain of your life. Ce n'est pas parce que tes études peut-être. Oui, not because of just your studies, ça ne peut pas te soulever comme Dieu peut te soulever. But it cannot lift you up the way God can. La cause de l'obéissance. Because of obedience. David, Dieu l'appelait. David called him the man according to my heart. Ce n'est pas à cause de la foi. It's not because of faith. Mais à cause de l'obéissance. But because of obedience. Il obéissait à Dieu. He obeyed God. Il connaissait le mode opératoire de Dieu. He knew how God's world works. Et si toi tu ne veux pas connaître le mode opératoire if you do not want to know how God's world operates, tu veux how God operates, you just want to be there just about faith, faith, faith. Salut même tes enfants de loin. You can even greet your children from far. Your blessing. You can just greet them from far. Tu déclares cela. You're already declaring it over the life of the children. Because that's what faith is. It's declaration. Is that you're already declaring things. Alleluia. Amen. Commence d'abord par obéir. You need to start first by obeying. On cite Noé. They talk about Noah. Noé n'a pas vu quand le monde va finir. Noah did not know when the world will finish. Parce que le nom Noé veut dire le fils de la consolation, n'est-ce pas? The name of Noah means the son of consolation. C'est ça le nom de Noé. That's what the meaning of Noah means. C'est celui qui va nous consoler. The one who consoles us. De la terre que Dieu a maudite. C'est comme of ça, the earth that God cursed. Quand Noé est né, son père l'a dit comme ça. When Noah was born, his father said, he will be called Noah, because he's the one who consoles us. De la terre que Dieu a maudite. From the earth that God had cursed. Amen. Amen. Et Noé divinement averti. And Noah was warned. Dieu lui dit construire. God told him to build. Ce n'est pas la foi. It wasn't faith. C'est l'obéissance. It was obedience first. Alléluia. Amen. Il a obéi. He obeyed. Et il a commencé à construire. And he started to build. Mais si toi tu ne veux pas obéir. But if you do not want to obey. Tu n'es pas un homme obéissant. You're not an obedient man. Forget about the miracle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oublie ça. Forget about your miracle. Parce que tu dis simplement. Because you just say. L'obéissance. Commence d'abord. Étudie bien les choses de la Bible. If you say the day comment of the Bible. Était leur commencement. How the beginning pourquoi was. Pourquoi Dieu leur a déclaré. Why God declared them. The men of faith. Jacob. Jacob. Isaac. Abraham. Commence d'abord à étudier. He started to read. Ce jour-là. Studied those people. But Jephthah. Nous allons voir ça. We'll see here. Ceux qui avaient fait leur force, c'était quoi? Those who were made strong. C'était l'obéissance. Was first was obedience. Alléluia. Amen. Toi, l'obéissance. You obedience. Non. You don't have any. Donne même ta dîme, tu ne donnes pas. Just to give him your tax, you don't even pay. L'obéissance. Obedience. Tu crois simplement que c'est Dieu. You think that God. Tu crois que toi, tu vas payer à Dieu lui-même le compte. You think that God, that you pay for something like the one here. Bible like a building like the one here. The Bible says that gold and silver belongs to him. Other people say, what should I give you, Father? Silver and gold belongs to you. Rich, the richness is you. What can I give to you? I'll give God my obedience. I'll only obey what God tells me. Je vais aller là, en fait, hein, avec... le foulard aux yeux. I'll go blindfolded. Commence d'abord à obéir. But you need to start first obeying. Si tu veux devenir un homme de foi. If you want to become a man or woman of faith.
Commence d'abord à obéir. You need to start first by obeying. N'obéis pas simplement aux grandes choses. Do not only obey on the big things. Mais commence à obéir des petites choses. But you need to start obeying by the little things. Si tu n'es pas dans un petit orchestre ici, if you're not in a choir, comment tu peux être dans un grand orchestre? How can you be, if you're not in a small choir, how can you be in a bigger si choir? Si tu n'obéis pas à payer, if you do not obey or to pay your tithe, comment tu seras un partenaire pour Christ? How can you be a partner for Christ? Hallelujah. Amen. Commence à obéir. Start by obeying. Tu vas prolonger tes jours. You prolong your days. La prolongation de séjours sur la terre. You prolong your years on earth. Depend de ton obéissance. It depends on your obedience. Amen. Amen. Depend de ton obéissance. It depends on your obedience. Ma fille Annie, tu comprends? My daughter Annie, do you understand? Même si tu as quatre enfants, tu as déjà quatre. Hein? Three. Amen. Prophétie. Même si tu as trois. Et le quatrième qui vient. Even if you have three and the fourth is on the way, even if you are there, obéis d'abord. You just obey first. Celui qui a donné la promesse, the one who has given the promise, il accomplira. He will accomplish it. Nous nous cachons derrière les enfants. We are hiding behind children because they have little children. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les calculs dans la tête. You do not do the work of God by calculating other things. C'est vrai que nous vivons en Europe. Yes, we live in Europe. On vit en Europe. Yes, we live in Europe. Mais fais l'œuvre de Dieu. But do the work of God avec obéissance. With obedience. Amen. Avec obéissance. With obedience. Dieu. God t'éloignera de beaucoup de dangers. He will keep you away from a lot of danger. Tu rentreras dans les annales de l'histoire de Dieu. You will be in the history book of God. Commence à obéir. Start by obeying. Ça c'est la première des choses. That's the first thing. Que les anciens dans la Bible, that the elders of the Bible, ont fait. Did. Il y a beaucoup de doutes dans les chrétiens. Les chrétiens sont des douteurs. Christians doubt a lot. Ils doutent. They doubt a lot. Beaucoup même. A lot of them. Les chrétiens ne croient pas facilement. Christians don't believe easily. Ils sont des Thomas. They are Thomas. Il y en a nombreux. There are numerous of them. Apôtre Pierre a dit. Apostle Peter said. Seigneur. Lord. Nous avons pêché toute la nuit. We done fishing all night. We fished parole, all night, but because of your word, suite ta parole, because according to your word, je jeterai le filet. I will throw the net again. Ils ont obtenu beaucoup de poissons. They took a lot of fish. Quand Pierre a marché sur les eaux, when Peter walked on water, ce n'est pas la foi. It wasn't faith. Il a dit d'abord, Seigneur, he said, Lord, si c'est toi, if it's you, ordonne, tell me, j'obéirai, je marcherai. And I will obey and I will walk. Jésus dit, viens. And then Jesus told him, come. Il a marché. And he started walking on water. It started by what? By obedience. C'est l'obéissance. It's obedience. Voilà pourquoi croire. That's why by believing. C'est l'espérance. Or hope. C'est l'obéissance. It's obedience. Et l'amour. And the love. L'amour que tu as. And the love that you have towards God. Bien-aimé, si tu n'obéis, beloved, if you do not obey. Tu n'aimes pas Dieu. You do not love God. Amen. Amen. N'obéis pas simplement Dieu quand il fait des bonnes choses dans ta vie. Do not only obey God when he does good things in your life. Mais obéis Dieu. But obey même God. Quand les conditions sont difficiles. Even when the conditions are difficult. Dis, j'obéirai he said, I will obey my God. J'obéirai à mon Dieu. I will obey my God. Quelles que soient les circonstances. No matter the circumstances. Je vais obéir. I will obey. Abraham n'a pas tenu. Abraham. Je ne sais pas. Le moyen de transport. He did not have, at that time, transport. Ils sur les ânes. They used to just go on donkeys. Des grandes, longues distances. Or long distances. They went from the Potamic house. Dieu lui dit qu'il faut aller. And God told him to go. Et il est parti. And he went. Alléluia. Amen. Dieu a dit aux enfants d'Israël. God told the children of je vous Israel, ramènerai that I will take à la terre promise. To the promised land. Moïse a commencé à douter. Moses Moïse started to doubt. Moses started parce to doubt. Il regardait ses insuffisances. Because he was looking il at what he did not have. He was looking at his imperfections. Mais Moïse était un homme vigoureux. But un homme Moses was an intelligent man. Parce qu'il a étudié. Because he studied the law. Parce qu'à cette époque-là, because at that time in Egypt, dominait le monde. They dominated the world. Parce que ces choses que nous voyons ici. Because the things that we see. L'hiéroglyphe, c'est quoi? C'est la première écriture. C'est en Afrique. The first word that was written in Africa wasn't in Europe. Mais Moïse a étudié. But Moses studied à cette époque-là. At that time. Parce que l'hiéroglyphe, ça, c'est lui qui a déchiffré ça, c'est Champollion. Yes. Hein, n'est-ce pas? Ah, vous avez oublié l'histoire. Yes, pastor. Alléluia. Amen. Non, c'est pourquoi? Frère, il faut lire. Hein? So you need to read.
Je disais à Mother Well, je dis Congolais ne lisent pas. I said to Mother Well, Congolais people don't read. Si tu veux tromper un Congolais, dis moi je lis quelque part là. If you want to lie to a Congolais, you just say I read somewhere and they will accept it. Il va accepter. They will accept it. Il faut lire. Lisez. You need to read. Lisez. You need to read. Vous voulez simplement là où se trouvent les en fait les photos. You want to go with these pictures? Ou bien la vidéo. Or video. Si tu vois la vidéo, tu peux. When you see video, you start watching it. Écrits, but when there's words, you do not read it. Les écrits. Where is it the words? Ils montrent beaucoup plus. Que it shows a lot more than the video. Et puis. That's why. Ça reste là-bas. It stays in your mind. Faut lire. You need to read. Quand vous n'avez même pas lu les livres, non, la Bible d'abord. Comment when vous lisez les livres? If you don't even read the Bible, how can you read a book? Mm. Amen. Alleluia. Amen. Quand je dis, je pose la question, qui a lu le chemin de Paralin? Personne n'a dit ça. Ici. When I say that, who was reading the path of Paralin? Qui a dit ça? Who has ever read that? Même en anglais. Even in English. Bon, on va continuer la semaine prochaine, ok? We'll continue next week. Mais je vais simplement vous pousser. But I just want to push you. Même quand tu as des difficultés à lire, even when you have difficulties in reading, ne tiens pas compte de ces difficultés-là. Do not look at your difficulties. Même quand les gens se moquent de toi, even when people are laughing at you, ne faut pas tenir compte de tout you ça. Do not need to take that into account. À force de lire, by your reading, yes. Moi j'étais fort en français. Pasteur Olivier est strong in French. Parce que je lisais beaucoup le roman policier. Because he used to read a lot of le roman policier. Is it Roman policy? Is it Roman policy? No. Le roman policier, les novels. Oh, novel, you just read a lot of novels. Okay. Voilà. Mettons que nous allons prier. You understand? Parce que là, le roman policier, vous n'avez pas lu ça. Il n'y a pas de roman policier ce jour-ci. Hein? Comme les gens ne lisent pas, comment ils vous croient? Il y a le roman policier. Alléluia. Ça fait même toi. Gravissime. C'est gravissime. Hein? Alléluia. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu, Seigneur. You're gonna ask God, je voudrais devenir un homme obéissant. I want to become an obedient man or woman. Un homme obéissant. An obedient person. Pour constituer ma foi. To build my faith. Constituer ma foi. To build my faith. Je voudrais que tu me rendes un homme obéissant. I want you to make me an obedient person. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. Car moi-même, je ne peux pas. For at myself, I cannot do it. Je voudrais aussi, Seigneur, I also want, Lord, that my name soit dans les annales. To be in the history book. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Nous allons prier. Commence à élever ta voix. You start lifting up your voice. Dis, Seigneur, je voudrais être and say, Lord, I want to be an obedient person. Sunga, 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 s
J'aimerais que tu pries, élève ta voix, prie le Seigneur, prie Dieu, dis le Seigneur, je voudrais avoir l'obéissance pour constituer ma foi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'invoque au Dieu. Abraham était un homme obéissant. Il partit pour un pays au Dieu dont il n'avait pas la connaissance. Mon Dieu, je t'invoque dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, afin que j'aie l'obéissance. Afin que j'aie l'obéissance. Afin que j'aie l'obéissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, quelle l'obéissance à moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour le pasteur Dali. Nous allons prier pour le pasteur Dali. Est simplement l'obéissance. Toi, on te demande seulement de prier. They're just telling you to pray. You just need to be obedient. Say words. Et tu vas voir. And you will see. Ça va venir. That it will la guérison sera là. That the healing will be there. Prie comme tu veux prier. Prie pour l'homme de Dieu. Pray for the man of God. Prie pour son oxygène. Prie pour la physio qu'il est en train de suivre. Prie pour que Dieu accélère son processus de sortie de l'hôpital. To accelerate him for him to come out of the hospital. Alléluia. Prions. J'attends que tu pries. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train de prier pour ton serviteur, le pasteur Dali, oh Dieu. Seigneur, je verrai que toi seul, Père éternel, tu stabilises toutes choses en lui. Que ce soit l'oxygène, que ce soit, c'est notre Dieu, sa physiothérapie, Seigneur. Je prie éternel, notre Dieu, que tu accélères son processus de sortie de l'hôpital au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ton serviteur dehors, oh Dieu. Nous voulons voir, Seigneur, notre Dieu, qu'il est sorti de l'hôpital et qu'il est, Seigneur, retourné à la maison, Seigneur, pour reprendre toutes les activités. Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'ai dépassé le temps. On va donner nos offrandes. Rapidement, le diacre. Nous allons demander à Papa Jean Hubert de prier pour les offrandes. We're going to ask Papa Jean to pray for the offerings. Papa Jean Hubert. We're going to ask for Papa Jean to pray for the offerings. Prier pour les offrandes. Alors que nous sommes debout. As we're standing. Papa Jean Hubert. C'est entendez-nous un chant. Aïe, 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 Jésus est bon, et il est bon. Oh, Jésus est bon, et il est bon. Oui, Emmanuel est bon, et il est bon. Aïe, 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 aï
amis. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À 21h, nous avons la prière. At 9 p.m. we have our prayer. Plateforme, nous prions pour l'envoyer le pasteur Dali. That we pray for Pastor Dali. Et n'oubliez pas notre chaîne de prière qui commence à midnight. And don't forget our chain of prayer that starts from midnight to 9 a.m. Et dimanche prochain, nous sommes ici. And next Sunday, we're here. Et amenez vos enfants. That you can bring your children. Et venez à l'église. You can come to church. Nous demandons simplement que les gens donnent le nom. We only ask people to give their name. Pour que nous sachions au moins le fait s'il y a un problème. So that in case if there's any problem. On peut savoir le nombre de personnes qui étaient là et puis we can know the number of people that were there. Donc nous demandons assez que vous donnez vos noms au Papa Jean Hubert. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. I'll be here next week. Les dimanches. Sunday. Et ainsi donc, nous allons demander à l'homme de Dieu, l'évangéliste Patrick, we're gonna ask for evangelist de prier Patrick, to pray, et de remettre ce, le peuple de Dieu entre les mains de Dieu. À moins est-ce que j'ai oublié quelque chose, Papa Jean-Hubert? Non, ça va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois? Is there someone who's visiting us for the first time? Quelqu'un, non? There's someone here for the first time. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, notre Dieu. Father, we bless you, we glorify our God. Laisse que l'honneur, la gloire te revienne. Let honor and glory be given back pour to ces you cultes de cet après-midi, notre for this Père. Afternoon service. Seigneur, ta parole nous dit, notre Lord, Dieu, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. For us to dwell together. C'est comme une huile précieuse like répandue sur la tête d'Aaron qui descend sur ses barbes jusqu'à dans ses vêtements, notre Dieu. Car c'est de là que tu répands toutes sortes de bénédictions et la vie en l'éternité, notre Dieu. Laisse que la bénédiction de Dieu qui est répandue au milieu des saints soit notre partage cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ, c'est notre Père. Seigneur, nous voulons quitter ce lieu. Nous te recommandons la semaine que nous voulons commencer entre tes mains. Éternel, notre Dieu, Dieu, l'apôtre Paul a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme. Laisse que la prospérité physique, spirituelle, soit notre partage cette semaine. Que le succès, la réussite puisse nous accompagner partout où nous allons passer dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bonne journée dominicale. Et saluons-nous les uns les autres. Greet one another. Même par les coups de poing. Even by a fist bump. Saluez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, pour pouvoir écouter ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole donne la santé, la délivrance, la force et la victoire. Seigneur, ta parole protège même. Quelqu'un a dit dans la Bible, ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole est là. Seigneur, tu as créé le monde par ta parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils venu de Dieu. Nous te disons merci pour cette parole. Illumine les yeux de nos cœurs et ouvre notre entendement spirituel. Parle au travers de nos cordes vocales. Nous te disons merci et merci infiniment au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous voulons que ce lieu soit contrôlé par toi. Que la gloire de Dieu inonde ce lieu. Que la puissance de distraction
puissant dans les miens. Merci Seigneur.